Voilà, le 7 juin 2024, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa, Tokutani, Natongwa Lelo, Nabokasi, il y a Kolonzambe, na dernier numéro, il y a semaine, il y a Mission Nabino, rendez-vous des auditeurs, Mission UEP Sakabino, possibilité, il y a Kobenga, il y a Kopesa, Makanis Nabino, il y a Kopesa, Baïde Nabino, Namakamuzali Koleka, Namboka, il y a Patrice Emery Lumumba, bo Yangani déjà, Ebele, Nabandako Nabino, Namitu Kanabino, Nabao, Baskumbaka. Bah moto les wewa au Bazali disséminés à travers la capitale Kinshasa na ba nyonso bozo kanabiso na ba différentes radios Liberté à travers 28 provinces il y a République démocratique du Congo na Mikili il y a poto bo mesan kwanda biso grâce il y a YouTube CCTV Ralik officiel to zali na bino pour na to partager makambo zali koleka na mboka na biso pendant une heure il y a échange, une heure il y a débat, une heure et à proposition sur les sujets qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Trois sujets au cœur. Yamasso Nabisso, Yamokolo, Yalelo. Présentation du programme gouvernemental et investiture de gouvernement Judith Toluka. Est-ce que cordon violent ont-ils été accordés entre les députés nationaux? Et puis, qu'en est-il ou qu'est-ce comprendre n'a pas consultation initiée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avec le groupe parlementaire au sein de cette chambre basse du Parlement. Togo Betelissus Masolo et Tali élection, il y a gouverneur na Congo central. Est-ce que la Cour constitutionnelle est-elle compétente? Il y a qu'au casser décision, il y a conseil d'État, ou s'il est été conseil d'État à Sidaki qui a annulé l'élection na Congo central pour Arima Kaki, irrégularité. Et puis la réorganisation, il y a Mapona Miwana et Zala qui prévu pour les 7, donc le 7, il y a mois, mais après décision, il y a cour constitutionnelle, il y a qu'au confirmé grâce Bilolo, gouverneur, il y a province, il y a Congo central. Est-ce que cette cour, la cour constitutionnelle est-elle compétente, il y a qu'au casser justement décision, il y a conseil d'État aussi, on va essayer de parler. Na sommet, il y a chef d'État, il y a EAC, Mokolo Yalelo par visioconférence, la situation sécuritaire à l'Est, il y a République démocratique du Congo au menu des échanges. Est-ce qu'il faudra aujourd'hui accorder crédit naba à différents sommets, notamment il y a EAC, Oezali, aux situations sécuritaires, il y a Est, il y a Mokanabiso, Ezali. Au centre, il y a échange de partout hein, à travers le monde, mais également avec nos invités. On a déjà un invité sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Bazin Pembe, Oazali, secrétaire national, il y a AFDC, il y a Modeste Bahati Lukwebo, député provincial élu du Kasaï. On a Maître Bazin Pembe, Mbotenaï. Mbote Ndeko Maxime, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup na ba Ndeko Nyon Soto, Bazali disposé na Tongwa pour na Kolanda Biso na rendez-vous des auditeurs. Un clin d'œil spécial. Ndeko Jean-Médard Lioso. Jean-Médard Lioso. L'homme de l'ACP. Ngana tira le toit champagne Tina le Na o senga yanga na télévision. L'homme de Kolanda Biso na mama place aux Ali. Voilà, du coup, au Bazin Pembe, il est déjà décaissé. Non, décaissé, ça va. Décaissé, ça va. Je suis en train de me préparer. Peut-être ce que nous avons à l'ingui, tous les moyens. Pour ça, la descente, on a des vacances parlementaires. On a des assemblées. On a des parties à les 30 juin, oui. Sauf calendrier spécial. Au bureau, on a des comment on peut s'abîmer. Mais je peux vous rassurer que la population a décaissé électeur Nangaï Azali bien, malgré Nassila Kolobangwe qui a décaissé Zali Mboka Moko. Comme si Maître Bazin Pembe Kinshasa Mingi qui a décaissé.
Non, mais je suis à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Moi, je l'ai toujours dit. Si je n'ai pas affaire à l'Assemblée provinciale au Kassai, je suis ici à Kinshasa. Je vais exercer mes activités comme étant avocat. Donc, moi, je ne vis pas que de la profession y a qui député. Je vis de ma profession en mode avocat. Parce que je trouve que non, l'avocature, pour moi, c'est une passion. J'aime lorsque je suis en toge. Et c'est ça. Je ne vais pas trop m'approcher dans ça, la politique. Et comme on est. C'est la politique ou rien, comme je vois avec certains ministres, non. Moi, j'ai un travail que j'aime vraiment mieux. Et j'aime beaucoup servir mes clients. Maître Bazapé, mais toi, tu as directement na maçon et bisou à Mokolo Alelo, ou bien vous allez dans un sujet isolé, comme ça a toujours été le cas, dans un rendez-vous des auditeurs. Non, Nazan a un sujet isolé. Vous l'avez dit, Nazali Kovive à Kinshasa, Neko Maxime, Nagoki pour rassurer que non, c'est de trop maintenant. Comme disent les anglophones, enough is enough. Donc, trop, c'est trop avec les tracasseries dans la ville province à Kinshasa. Je me souviens bien, tant qu'on déco général et la ville province à Kinshasa, commissaire, si je ne me trompe pas, Blaise Kilimbalimba. Tant qu'on voyait, à cela, le jour où discours naïe à lobby, il n'est pas venu comme un commerçant à la tête de la ville province à Kinshasa. Les lots, je peux avoir le courage. Que Blaise Kilimbalimba est en train de devenir commerçant de plus en plus dans la ville province. Pourquoi je le dis? Naba Carrefour. Vous imaginez un policier Azo Tamboulana 207. Pas policier Bazui 207 en otage. 10 policiers Nassima, 2 policiers Liban, Liboso. Avec un chauffeur, na habité Bazui na escorte ndengenini. Na l'intérieur, vous avez les policiers pour na ba traka ba moto, ba kangi moto, ba tio na kati. Bango ba 207 Bazo, ça la opération, bon 207. Bazo ça la opération na mangona 207. So ba kangi moto pour na restitution en moto $100. Restitution à moto $100 à se limiter car on a été pour bref hier je suis venu lobby que ça l'activité moko na bâtiment na bino na tongo baoche langai sirage na sapato je viens 207 bakangi jeune garçon moko babenga bango a coopérer alors te comme ba veste na ye on l'a pris manu militaire comme un voleur si ce n'était pas mon intervention à moi. Et les policiers ont le courage à Koloba. Bangalo batera ba vesa Mungala bazaka na kula Mungala est timide okay mais mangana ni voilà de quoi oui et ce qui kaka wana ka ba 207 opération autozo mona na ville à Kinshasa ya Kikalungu j'ai suivi la cour des comptes pour le baite Kikalungu wana c'est une escroquerie à ciel ouvert de ko ne ko Maxime bazo escroquer ba congolais à l'œil nu na Kikalungu wana. C'est l'argent qui se partage entre les OPJ. Mbongo se partage entre Bato Batambo Larana Kikalungu wana. Mbongo se partage na ba konzina bango. Kilimbalimba ayebie loko wana. Mais ba Kikalungu ezali ville mobimba. Mbongo ekenda wapi? Conseil d'État lobi mbongo wana ezaka na destination na yangote. Mais ils sont tout le temps dans les opérations de la ville province à Kinshasa. Moto atiki jeep naye, atiki mutuka naye, akoti restaurant, akoti boutique, aroya kuta mutuka keyi. Obenga boyo non landa na fruyère, soki fruyère, soki fruyère. Ok, kuna pour na ba libérer yo c'est un problème. C'est de trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup maître. Je pense que Ndeko Batie on a c'est qui Jacquemin, j'ai appris c'est lui qui est venu. À l'intérieur, je sais pas si aussi il va aussi faire un travail, c'est pas, mais Nazo Sengaye, Azala regardant vraiment sur cette histoire. Merci beaucoup. 082 33 33 749 082
33 33 749, le débat est ouvert à ce moment ou un numéro au bino beaucoup vous participez na masolo na biso ya mokolo ya lelo pour comme biso na WhatsApp au bon possibilité à kokota vraiment na standard na biso te maître Bazin Pembe to fonglana nous sur la situation sécuritaire ya est ya mboka na biso au moment où FARDC ils allaient vraiment na défensive te mais na offensive bazali pour attaquer justement pour na reconquête ya ba à différents territoires. Il y a ces sommets où ils allaient en Malélo par visioconférence. Il y a le chef d'État, il y a EAC au menu, situation sécuritaire, il y a Est, il y a Mokanabuso. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ça crédit justement dans les différents sommets où ils allaient organiser en faveur, il y a rétablissement, il y a paix dans Est? Ngaï, comme étant congolais, nako continuer nako ça la confiance la volonté au chef de l'État azali ko afficher pour rétablir la paix et la sécurité sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avions vu plusieurs présidents dans ce pays, mais la volonté qu'affiche Tshisekedi aujourd'hui azali égale à lui-même. Vous imaginez du coup, Maxime, je l'ai toujours dit, c'est sous Tshisekedi que nous avions la loi sur la programmation militaire. Félix s'est battu, nous avions aujourd'hui cette loi, et c'est une loi importante. Sous Félix et Lelo, nous avions une loi sur la réserve de nos militaires. Donc c'est une loi importante. Donc, sommet Nyon Soana, oui, nous ne sommes pas un pays. Donc, fermé. Des sommets avec de résultats aux alliés favorables étaient Nairobi, Kenya, les Nations Unies, tous les sommets, accord notamment aux alliés qui ont souffert, même dans l'applicabilité. Il y a Nairobi, il y a Kenya. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire foi à ces sommets ou bien ces genres de sommets et Zoya peut-être pour effréner et long, il y a effardé Nabiso au front? Non, je l'ai dit. Tout ça la confiance dans le chef de l'État. Mes propositions ont un accord pour ça mon conseil Mboka. Au lieu que le détournement est allé bien dans le cas de Mboka, le chef de l'État doit s'impliquer pour créer un lobby tout autour naïe pour faire isoler l'agresseur, les sanguineurs Paul Kagame dans la sous-région. De quoi Maxime, avec les rapports que nous avions aujourd'hui, les Nations Unies, à Katiambouk, on a même expert en Nations Unies. Et avec la détermination, je dis bien la détermination de nos frères DC avec nos frères Ouazalendo, je vous dis, oui, guerre persistait, Belé, mais nous avions encore la confiance. Ne perdons pas l'espoir, continuons à faire confiance dans la militaire Nabisso, continuons à faire confiance dans le chef de l'État, continuons à faire confiance dans Ouazalendo et en demandant la population Nabiso ya Est, collaboration ezala entre Bango avec nos militaires, nos FARDC et nos frères Ouazalendo. Parce que ceux qui Bango, Bazali ko dénoncé, ceux qui Bango Bazali en complicité avec l'ennemi, nous n'allons pas vaincre la guerre. Et donc, les deux plans, les plans diplomatiques, ezali à saluer aujourd'hui, et aussi les efforts conjugués sur terrain par nos militaires. Il faut aussi saluer et demander aussi, formuler aussi la recommandation du gouvernement. Oui, nos frères sont au front, mais ce sont des pères de famille. Tant que les soldats sont au front, ils ont été dit, moi, je suis allé au front, c'est mon quoi malonga. Moi, si je suis allé en ration, je ne vois pas ces soldats-là qui a consacré sa vie pour lutter pour la nation à décevoir le peuple naïe. Mais s'il y a des complicités, il faut continuer à dénoncer. On est non qu'on en finisse une fois pour toutes avec la guerre, qu'on parle cette fois-ci développement et la République démocratique du Congo sur toute son étendue. Aujourd'hui donc c'est difficile hein, malgré volonté manifeste il y a ensemble la population que RDC est quitté na EAC, c'est difficile pour que l'on voit l'élo na cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Moi je ne trouve pas important na bateau balobake que non nous devions nous désengager. Oui. Organisation notamment et assez non ça ce n'est pas une bonne proposition et ce n'est pas une bonne idée et ce n'est pas logique pour un pays à dimension continentale comme la République démocratique du Congo. Au contraire, les lois et Sengelito saluer par initiative Oyo chef de l'État azali ko déployer même avec les gouvernements sortants.
Moi, j'ai vu certains ministres, là où on parle du forêt, là où on parle des eaux, là où on parle des minéraux, là où on parle des états, que Congo, Ezalawa, Napone, Pesa, voit na yango. Yakolobe que non, c'est que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui, le Rwanda n'a pas de coltan. Azana cobalt, azana zinc, ce sont des minéraux qui sont exploités chez nous et importés na Rwanda pour na effet ravitailler Rwanda et puis na ba partenaire na imosusu. Donc nous devions kokota na ba structure union soit na to ya ba sous-région même en dehors ya mboka pour que dans des réunions que le Congo hausse le ton. Le Congo hausse le ton, que le Congo dénonce et ça fait la force d'un État, ça fait la force il y a gouvernement et même aussi la force d'un président de la République. Donc moi je suis d'accord, c'est retiré, en tout cas je ne partage pas l'avis avec Batoyo et surtout que c'est un langage un peu Ouezali Kouta et pas Bande Kounabi. Mais les lots, il faudra le garder, c'est garder car il y a un Ouezali en offensive que tant que vous avez dénoncé, il y a un peu un système défensif au Bazali qui pour contenir, pour protéger sans pour autant attaquer. Aujourd'hui, il faudra démarrer dans l'élan au Bazali. Il faut démarrer dans l'élan. Tu sais, il y a ça passe. Na komona moto neti corne nanga na komona ba masa mosozo neti ba Yannick Tisola. Il y a aussi les gars ici voyous ici à PPRD comment on l'appelle encore Henri Magie. Je me dis ces frères n'ont pas bien réfléchi. Ils n'ont pas bien réfléchi. Un jour ba famille na bango ba kolela kaninge famille ya malanga ba banda kolela. Donc, il faut que les gens soient en famille. Donc, il faut que les gens soient en famille. Ce sont les gens qui vont mourir comme des mouches. Il faut que les gens soient en famille. 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 Il faut que les gens soient. C'est comme ça que Nanga va mourir, Marie, Harry, Magie, Tisola et les autres. Bah, très, très et de ce la République. Sont les gens. Toloba, Tolobate, même à ta régime, tu sais que les longues, bas en vie, toko mona bangona kati en beaucoup de koyana bangwawa. Si ce n'est pas la mort pour eux, ils seront traités pour une haute trahison. Et je ne vois pas ces gens-là faire la prison en République démocratique du Congo parce qu'ils seront lynchés par les Congolais parce que Bazali ko nuire biso le lot. Au lieu de conjuguer le développement dans le cadre de Mboka Nabiso, on est en train de parler d'un certain Nanga avec ceux qui font le Congo Hôtel, ceux qui n'y donc. Merci nous beaucoup. Nous avons espoir que Nabitumbo, le FARDC, Toko Longa, Toko Longa, Baenemi, Oazali déjà identifié, c'est le Rwanda qui agit sous couvert, il y a M23. Tout le bila, Sukoyo, Libaku ya Makambo, Maître Bazin Pembe. Makamotali, Maponami, na Congo central, ça fait aujourd'hui vraiment débat. Maponami, y'a pas gouverneur et salami, tout le monde est salamaki, grâce Bilolo Eli, gouverneur. Et puis à un moment donné, tout le monde est conseil d'État, a joué décision, il y a qu'on suspendre Maponami Wana. Pour une irrégularité, une fraude, vous allez qui constater, puis il y a 5 ans qui n'a séni à réorganiser ma ponami. C'est ni pé à Tchakpi Datinae le 7 juin. Donc, mon colo ya lobby, n'est le 7. Mon la lobby, n'est fait au kende. Il y a l'élo, n'est fait au kende. Justement, ma ponami, il y a réorganisation à ma ponami. Wana. Subitement, cour constitutionnelle a joui. A confirmé, à Kati donc, qu'on a une décision à Conseil d'État pour la confirmer grâce à Bilolo, élu gouverneur. Ça fait jaser, ça fait débat. Est-ce que Yozali Motoyami Beko, est-ce que Mokolo Alelo, en tant que praticien en droit, population bimba va comprendre. La Cour constitutionnelle est-elle compétente, il y a qu'au casser, notamment décision, il y a Conseil d'État. Tout le cas. Ndeko Maxime, merci beaucoup pour la question. D'emblée, je vais répondre par un non. 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 Il y a Kolobe qui n'a pas cour constitutionnelle. Parce qu'il a pouvoir à mon côté d'annuler une décision et un Conseil d'État. Ce qui s'est fait à la Cour constitutionnelle, c'est du gangistérisme, si je peux le dire ainsi.
On ne peut même pas appeler ça un habit de droit. Il faut que le Kelango combo moussous. Vous pouvez vous imaginer. Et là, j'ouvre une brèche. Il y a Kolobé qui non, le chef de l'État a raison de dire que nous avions une justice malade. Justice malade? Oui. Même dans haute cour, même hein, haute juridiction, haute oui. Dans haute cour constitutionnelle, à Zalipé, Nere, Nambeba. Ndeko Maxime, malade, nous sommes tous, même le sida, et comme il y a un remède de Nango. Mais notre justice est remède des athées. Jamais des alités. Je ne sais pas si bah, vous cherchez... Non, non, ça c'est fort. On ne peut pas le faire parce qu'il y a des hommes intègres. Il y a des femmes aussi intègres dans ce pays où on peut confier confiance. Batou Bazali. Et là, Batou Moussousou, devant le tchotcho, à quoi bébé sa motema n'a été. Vous imaginez de Maxime. Je l'ai dit, ce qui s'est fait à la Cour constitutionnelle, c'est inimaginable. Pourquoi je l'ai dit? Nous avions certaines juridictions dans Katia Mboka Nabiso. Bissambiselo. Yaminene na Katia Mboka Nabiso. Tout en la Cour constitutionnelle, tout en la Conseil d'État, tout en la Cour des comptes, où tiens en place, nous avons aussi la Cour de cassation, de Koumaxime. Bah, Cour Nyonso na Uto Cité Minei Oyo. Cour na cour, ils ont une compétence nango limitée. Et koki ko si mixé, donc et koki ko kotate na matière ya mususu. Cour constitutionnelle, alikolo ya conseil d'état, alikolo ya cour ya mususu. La cour constitutionnelle, ce que tangi loi organique na bango ya 15 octobre 2013, si je ne me trompe pas, na article 43, ils ont clair. Ils allaient couper sa matière au cours constitutionnel traité. Bah traité, bah degré, et qui qu'on traité, bah édit, et qui qu'on traité, bah acte réglementaire, où ils allaient, il y a une assemblée nationale. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas pour vocation, il y a qu'on examiné une décision déjà rendue par Conseil d'État. Et je rappelle ici, que la Cour des comptes, c'est une cour de contrôle financier. La Cour, le Conseil d'État, c'est une juridiction d'ordre administratif. Vous voyez, la Cour constitutionnelle regarde des questions liées à la Constitution ou d'inconstitutionnalité. Mais Yebi Sangaï, pensez-vous à la Cour constitutionnelle. Est-ce que mon IBM bébaté la décision du Conseil d'État, il y a le Baba fraude, quand il y a élection, il y a gouverneur, au moment où il y a qui couplé entre gouverneur et la sénatoriale. Nazo, il y a un macabre, il y a une irrégularité. Oui. Maxime, pour nous, vous savez que notre Cour constitutionnelle a coquille pour examiner tes décisions. Le Conseil d'État, ils allaient la plus haute décision, pour rendre décision Nango. Cour constitutionnelle, qui ne peut examiner, ça ne m'a raté. Voici la procédure. La procédure, ils allaient dégainer. Conseil d'État n'est pas allé wana. Ce qu'on a na ba coup d'appel. Ba coup d'appel est belé le lot. Bazali komona, bazali na compétence. Il y a examiner ba question liée à la députation provinciale. On m'a dit, s'il y a des cas entre les deux gouverneurs, coup d'appel et élection, il y a des députés provinciaux. Ba coup qui examiner. Parce que na kati il y a coup d'appel, il y a organe, moi branche moko, ou ezali, ezali ko sala office, il y a cour administrative, pour na ko traiter ba contentieux ou ezali lié par rapport à ba député, par rapport à ba gouverneur. Ce qui bango ba traiter, c'est pourquoi mon aki, à Kasai, dans ma province Moussous, ba cour ba confirmer ba élection ba gouverneur. Ba cour d'appel. Ba cour d'appel, ba confirmer ba élection ba gouverneur. C'est le cas, tant qu'on va confirmer ba élection ba gouverneur, c'est la cour. Oui, c'est réunir la chambre administrative d'examiner. C'est le cas avec l'élection à Congo central, oui. La cour a examiné, cour et confirmé l'élection. Il y a des candidats là, que je ne sais pas les noms. Oui, Grâce Bilolo et Guy Bandounem, c'est ça qui conseille d'État. Oui, cour examiné, a trouvé que non, Grâce Bilolo a gagné les élections, a annoncé que c'est lui le vainqueur. Mécontent, c'est lui qui était son challenger, en limité, il est venu dans le Conseil d'État. Pourquoi? Parce que ce que aux huités dans le premier degré, aux aïna loi, ils ont fait ça, 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 ils ont fait ça
Donc, ma voie de recours, ils allaient autoriser. Et voie de recours, au Yokoko, ça là, ils allaient kaka, la Conseil d'État. Parce que c'est la juridiction administrative. Ce qui Conseil d'État, n'est-ce pas de quoi on a qui na Conseil d'État va examiner. Bah, mon que non, bah, irrégularité, ils allaient qui belé. Au moins, de quoi Maxime. Et coquille, qu'au Salema, ça arrive des fois que gouverneur a l'équi, mais comme gouverneur a gouverneur à la province, pas magistrat. Oui. Na autonomie na bango me babangi ba lobi ah soit tu invalider joyo nenge biso to na province na ye akotcha biso mal à l'aise collaboration et vous allez bien te bon to kanga ka miso to li, to valider ba élection na ye. Mais cette erreur, s'il y a erreur, cette erreur peut être corrigée par une juridiction supérieure là où il y a le haut magistrat ba tout pona bango la conscience travaille pour eux c'est le travail pour eux. Le magistrat a l'autorité que la loi. Ne croyez pas le Conseil d'État va rendre décision que va annuler l'élection pour suite à l'irrégularité. Et on va ordonner la CENI, où il y a un organe technique, à organiser l'élection. L'élection, c'est ça. Et ça, ma mon collègue, les 7. Mais fort malheureusement, fort malheureusement. C'est Kanya qui a été emboli. Moi je ne sais pas le décours, il y a un mot qu'elle a vu sur Tony. N'a évité ce Kanya qui est emboli. Mais moi je me pose la question sur la problématique de la procédure. Sur base de quoi celui pour qui on a annulé les élections au Conseil d'État est allé saisir la Cour constitutionnelle. Mécanisme ni des droits. Mécanisme ni des droits, c'est que les lois. Oyobiso bajiris, tu yébite. C'est quelle loi, Oyo, même pas la loi. Le Cour constitutionnel, elle a une compétence pour examiner décision du Conseil d'État. C'est quelle jurisprudence. Parce que lorsque à un moment donné, lorsque la loi ne dit pas, la loi est floue, on peut recourir aux justes coutumes. On peut recourir à certaines pratiques devenues aujourd'hui loi n'a palais. Lorsque je parle des palais, je parle ici des cours de tribunaux. Oui. Mais dis-moi, la Cour constitutionnelle a eu le courage qu'aucun de vous siéger sur Bazani. La simple raison au cours constitutionnel, elle a réservé la requête Tuana. C'est l'air de bouder. C'est l'air de bouder. Inattaquable. C'est l'air opposable à tous. Il y a décidé Tuana et Sili. Il y a Kolobaye que nous sommes incompétentes pour examiner une matière déjà. Examiner, permettre dans la totalité. Déjà examiné par une autre juridiction supérieure. Parce que amitié du coloté, il y a Conseil d'État. C'est un habit, je l'ai dit. Je l'ai dit ici, c'est un habit. Amitié du coloté. Je l'ai dit ici, c'est un habit de droit. Et sur le plan procédural, va créer les précédents moko graves. Donc, parce que nous sommes tous le Conseil d'État, Monique, le Conseil d'État, a pu une satisfaction, qui est une cour constitutionnelle. C'est ce que j'ai dit. Je vais vous lire la loi. Hein. J'ai tenté de fouiller, j'ai vu la loi. Permettez-moi. Rapidement. Je vais lire la loi. La loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. Dans l'article 43, la cour connaît de la constitutionnalité des traités, des accords internationaux, des lois, des actes ayant force de la loi, des édits, des règlements intérieurs, des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Alors, tant au monde des institutions d'appui à la démocratie, je vais prendre un cas. Tozana, c'est ça. C'est une institution d'appui à la démocratie. Et donc, la Cour constitutionnelle est compétente pour examiner certains cas. Dis-moi dans l'article que je viens de lire, néanmoins qu'il y a une erreur de ma part sur la loi organique. Et s'il y a un juriste comme moi qui peut répondre aussi à la question, à quoi il y a qu'on contredit Ngaya. Même en dehors, il y a Mobeko Oyo, la loi mère, la constitution de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on a une minute, on a débat où on s'est allé déjà lancé sur Maponami par rapport à des décisions, Conseil d'État, Cour constitutionnelle. Est-ce que les histoires vont rester comme telles tout, ici, Morizali, justement, pour la modification, tout arrangement. Oyebi, moi, je l'ai dit, je suis politique, mais je vous ai toujours dit que je suis praticien des droits. Oui.
nako sepelate un médecin alobaiki non il est comment je peux médecin on va interpréter même constitution non médecin place malade des alités que le médecin se crée une maladie motoyer pour consultation et pas naïe à examiner et diagnostic normal mais parce que le médecin a besoin de satisfaire à ses appétits le médecin se crée une maladie. Tout le monde n'est pas interdit praticien. Na moni yo na maladie moko boye et sengeli to opéré yo. Et on arrive na salle d'op ba opérer na concours ya baninga ba fongoli moto on trouve pas la maladie. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est un danger permanent pour nous qui avons accepté ce métier. C'est un danger permanent. Je ne sais pas. Un danger permanent, remède dans l'eau, et ali nini, au moment où mon kondiamboka, je suis allé malade, mais au lieu que mon kondiamboka, je suis allé malade, je suis allé malade, tout le monde pratiquer justice en cours constitutionnel, conseil d'État, cours à cassation, cours et tribunaux, au lieu, bah, soit conscience, produit, acte, n'a pas la malonga, ou les alliés, la justice élève une nation, mais tant que vous allez que acte, c'est que tu continues car la maladie, peut thérapie, non, vous allez la question, la réaction, elle est importante. Mais moi, ici, je me fixe l'idée comme politique. Quel est. Oh. Je ne sais pas comment je peux dire. Alors, comment se considèrent les autorités, il y a CENI, sur la question. Tu vois qu'on a désacralisé même la CENI. On a désacralisé la CENI et on a mis à nu cette institution d'appui à la démocratie. Tu discrédité Yango sur le plan international, sur le plan national et le plan international, dit Maxime. Et donc, tous ces erreurs doivent être corrigés. Oui, l'erreur est humaine, mais il y a certains erreurs, tant que vous opposez acte, vous êtes conscient que l'acte que je suis en train de poser, je suis en train de torturer ma conscience, que l'acte que je suis en train de poser, je suis en train de laisser un précédent grave. Je suis en train de laisser un précédent grave. Dis-moi alors, ce frère qui est au Congo central, est-ce qu'il va se sentir à l'aise? Et ce qui est grave, dans la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour renvoie à la Cour d'appel, il y a Mamatadi, qui a confirmé l'élection, il y a gouverneur. Mais ça c'est des. Ça n'existe pas. Procédure, ils ont raté. Plutôt pas aller. Mon frère, on a en train de partir où? Qui va sauver ce pays? Qui va aider cette nation? Qui va relever la justice dans ce pays? Qui va le faire? Est-ce que vous allez qu'on. Alors que. On risque de confirmer. Thèse, il y a Baïmo comme ça, pour penser à été justice Nabisso. Il a dit caisse des résonances à pouvoir. Néo Maxime, moi j'ai. On risque de confirmer Thèse. Je continue à avoir confiance dans la première citoyenne. Plus fort, on est basé qu'on a la justice. Non, mais dans la justice congolaise aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne gagnes pas. Et je vais ici saluer à juste titre. Nomination, il y a ministre, il y a ici l'hydraulique. Énergie et énergie et hydraulique. Je connais bien ces gars. Naïbi. On a joué. Intérim. Moi, je le vis à l'œuvre. Kokita. Place Kabine Bébé. Yemoko à Latiba Sokoto. Nabango en a ingénieur. À côté, Yemoko à Zobombis. C'est ça le genre. Yemoko à Sokoto. Genre d'homme au Bissotolini. Et donc, j'ai tenté de dire, on a déjà Snell, au Kati courant, peut-être Zaba, toi, Ebiso, Kata courant, basé Yoanazo, Kopotofie, Ebiso, Kata courant, parce que Ebiso Kata, mais moteur est démarré. Ndeko Maxime. J'ai tenté de dire, moi j'ai fait confiance ma président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce pays, monsieur le président, il y a des femmes de valeur, il y a des hommes de valeur, pour relever la justice. Et je suis en train de le dire, monsieur le président de la République, a compté à ta moukete. Na nouveau ministre na ya justice. Oh. Il faut faire sa chasse. Ndeko, Maxime,
Moi je ne passe pas à la télé souvent black. J'étais toujours dit. Je passe à la télé avec un autre. Je ne suis pas de ces jeunes-là, ceux qui ont la télévision, il y a le Cambo la télévision. Je trouve, n'a pas fondé la brèche. Vous savez que moi j'étais aux élections à sénateur, j'étais candidat sénateur. Mais j'ai vu les Mbongo, à y couper sa maman, à 60 000 dollars, à 50 000 dollars. Je me suis dit, je ne peux pas trahir ma conscience. J'étais candidat, je suis.